Il vient de vivre un rêve de gosse à 33 ans. Maxime Méderel a participé à son premier Tour de France. 3 semaines d'efforts, des moments inoubliables dans la carrière d'un sportif. Le coureur d'Ambazac est l'invité de ce journal. Et on parle de sport maintenant dans ce journal. Je vous le disais en titre, il a connu la chaleur, lui, des routes du Tour de France. Il est revenu de plus de 3000 km de course. Maxime Méderel est ce soir notre invité. Bonsoir Maxime. Bonsoir. 32 ans et une première participation au Tour de France, 52e au général. Est-ce que vous êtes content de votre Tour de France? Ouais, on va dire que je suis plutôt content. Après, c'est un bilan mitigé. C'est vrai que j'étais pas loin du top 30 au bout de la première quinzaine de courses. Malheureusement, après, cette chute m'a un peu handicapé pour la dernière semaine. Maintenant, pour un premier Tour de France et pour la centième, plutôt satisfait quand même. On parle souvent d'un effort surhumain. Comment vous sentez-vous après 3 semaines de vélo? Et surtout, qu'est-ce qui a été le plus dur? La dernière semaine a été le plus dur pour moi, même si il y a eu cette chute. C'est vrai qu'on ne peut pas mettre tout sur la chute. Il y a un état de fatigue qui était présent. Maintenant, on ne pense plus à la douleur, tellement on est porté par ce public qui nous pousse et même les supporters qui nous appellent. C'est vraiment des moments inoubliables. Est-ce qu'à un moment, par exemple, quand il faut monter 2 fois l'Alpe d'Huez et qu'on n'est pas forcément très en forme, est-ce qu'on envisage d'abandonner ou est-ce que c'est tout simplement impossible? Non, on peut pas. Non, on est vraiment dans la course et on se dit c'est le Tour de France. Même notre directeur sportif dans l'oreillette, il nous dit les gars, accrochez-vous, c'est le Tour, il faut mouiller le maillot jusqu'au champ et on va au-delà de la douleur. Quoi. C'est vraiment des bons moments et on peut pas se permettre d'abandonner sur une course comme ça. Quand je disais un rêve de gosse, c'est vraiment ça. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Depuis le temps que j'attendais ça, c'est voilà, même à 32 ans, bientôt 33, c'est clair que ça restera des moments inoubliables dans ma carrière de coureur cycliste. Alors justement, une image peut-être, les Champs-Élysées ou ce jour où vos parents et vos supporters sont venus vous applaudir sur le bord de la route, qu'est-ce que vous retiendrez? Ouais, il y a plein d'images qui me restent, mais c'est vrai que le déplacement des supporters et du fan club m'a fait énormément plaisir de les voir sur le bord de la route. J'ai eu le temps de les saluer parce que ce jour-là, j'étais dans un petit groupe à plus de 10 minutes, comme c'était une étape à bordure. Mais franchement, c'est les Champs-Élysées, la Corse, il y a plein d'images qui me restent et qui me resteront à vie. Quoi. Un mot peut-être, vous comprenez le scepticisme sur la performance extraordinaire du vainqueur, Christopher Froome, ou alors... Ouais, non, on a discuté un peu entre nous dans le peloton, bien sûr que c'est peut-être surhumain ce qu'il fait, mais nous, en tant que coureurs cyclistes professionnels, on a vraiment envie de croire à ses performances, parce que voilà, on est acteur, on est à ses côtés, même si j'ai pas eu l'occasion de le côtoyer. Maintenant, il y a toujours la petite suspicion et que tout le monde nous pose la question. On espère honnêtement que c'est ce qu'il fait aujourd'hui est vraiment dans le réel, parce qu'on ne veut pas que ça ressorte dans 10 ou 15 ans. Merci Maxime en tout cas d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous serez sur le prochain Tour du Limousin à partir du 20 août et peut-être l'an prochain, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite, sur le Tour de France. Merci à vous. Voilà, c'est la